Melchidael Dumoné finit dans 11 CONCACAF pour année 2023. Sélection nationale des moins de 17 ans, bon côté féminine, a quitté le pays à lundi pour y aller dans le pays Mexique. 21e journée de la Liga Santander, le Real de Madrid a bien pour recevoir la formation Almeria, tandis que le FC Barcelone a fait un déplacement difficile à la CAI équipe Betis Sevilla. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la plateforme Filioca. Déjà bonne semaine à toutes et à tous. J'ai que nous te dit en titre, donc Melchidael Dumoné, li fini parmi 11 CONCACAF. Eh bien, international haïtien nan continue, mesdames, messieurs, à marquer les esprits. Melchidael Dumoné, li continue à jouer en pile récompense après que li te fin joué yon année extraordinaire. N'a parlé de année 2023 à côté que plusieurs médias internationaux, plusieurs médias européens, médias en Amérique, donc récompensé joueuse là. C'est le cas de ESPN et de Guardian, Goal.com. Et tout, Fédération Football International d'Histoire et Statistique. Qui lui-même, t'es bail Coventina en pile, récompense tout. Eh bien, mesdames, messieurs, Froissa, c'est Coupa CONCACAF qui lui-même mettait Melchidael Dumoné présent dans 11 les faits pour année 2023. Rapidement, on fait ouais 11. Dans quand c'est une Jamaïcaine qui c'est Rebecca. En défense, nous jouons Christina, qui est une Mexicaine, accompagnée d'une Américaine, Naomi. Et puis, nous avons une autre Jamaïcaine, qui est Alison Schwabi. En détérien, nous jouons Martha, qui est une Panaméenne. Nous jouons Lindsay, qui est une Américaine. Nous jouons Melchidael Dumoné, qui est une Haïtienne. Et puis, nous jouons Queen, qui lui-même est une Canadienne. Et puis, devant, nous jouons une Mexicaine, qui est Kiana Palacios. Et puis, nous jouons Sophila et Smith, qui est une Américaine, puis nous jouons une Costa-Ricaine, qui est Melissa Herrera. Donc, c'est 11 ça que CONCACAF lui-même mettait d'ailleurs pour l'année 2023. Donc, c'est quand même à féliciter nous en présence Melchidael Dumoné. Donc, il a montré qu'il était capable de placer Lila pour ça que il fait avec l'équipe haïtienne pendant l'année 2023. Ça. Mais malheureusement, c'est Melchidael Dumoné Yokembe. Nous connaissons Melchidael Dumoné qui prise 20 tours dans la presse internationale. Et donc, ça se comprend. Voilà, encore une fois, et bravo avec Melchidael Dumoné qui continue à flotter drapeau pays d'Haïti à lui-même bien haut, que ce soit dans la zone CONCACAF et dans le monde entier, mesdames, messieurs. Toujours concernant Melchidael Dumoné, il y a un entraîneur Lyon qui lui-même annoncé retour Melchidael Dumoné. Donc Melchi qui lui-même commencé reprendre terrain là même là sous tapis, mais quand même Melchi gagne en pile chance là pour que lui capable présent avec équipe haïtienne dans barrage qui va venir là à partir de mois février prochain. Et puis sélection nationale U17 là a gagné pour quitter la République d'Haïti à partir de ce lundi 22 janvier 2024 pour le Rennes pays Mexique pour le capable à jouer éliminatoire Coupe du monde 2024 là. Donc c'est deuxième phase là côté que Haïti est dans une poule qui est très très difficile, mesdames, messieurs. Donc Haïti ensemble avec Costa Rica, ensemble avec Mexique, ensemble avec Salvador. Donc nous connaissons le calendrier à partir de 1er février, Haïti a gagné pour affronter la formation Costa Rica. Et 3 février, on a joué contre Salvador. Et 5 février, on a gagné pour jouer contre la formation mexicaine de football. Eh bien, c'est le calendrier de l'équipe haïtienne. Nous souhaitons, mesdames U17, bonne chance. Et puis, dans l'actualité internationale, parlons de la 21e journée du championnat d'Espagne, surnommé la Liga Santander. Real de Madrid, demain à 10h15, a gagné pour recevoir la formation Almeria. Almeria qui 20e, Real de Madrid qui 2e. Donc Almeria nous songe dans 20e journée en lui-même t'est tenu en échec la formation Gironde 0 but partout. Donc Real de Madrid supposé faire en pile attention avec équipe ça qui lui-même à la recherche des points précieux pour capable gagner espoir rester dans première division espagnole saison prochaine. Donc Real de Madrid qui était sur une défaite en Coupe d'Espagne contre la formation Atlético de Madrid 4-2. Real de Madrid qui pas joué 20e journée en cause que il était engagé dans Super Coupe d'Espagne, raison qui fait que Real li gagne un match en retard. Et bien demain Real de Madrid la prétend des pieds ferme formation Almeria
partir de 10h15 dans matin. Rapidement, ouais, convoqué Carlo Ancelotti. Comme gardien, nous avons Lounine Kepa, puis gagné Diego Pinheiro. Défenseur, Dani Carvajal, Nacho, Lucas Vasquez qui est même de retour, Fred Garcia, Rudiger et puis Ferran Mendy. Comme milieu de terrain, nous avons Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Kamavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Ceballos et puis Dagoulet. Comme attaquant, c'est Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Ocelou et puis Brahim Diaz. Donc, c'est joueur Sayo que Carlo Ancelotti lui-même l'a convoqué pour match Real de Madrid dans le cadre de la 21e journée de la Liga Santander contre la formation Almeria. Puis, l'autre match qui pourrait intéresser nous encore, c'est Barcelone qui pourrait faire un déplacement très très difficile sous terrain Betis Séville à 12h30, donc midi 30. Barcelone, qui lui-même dans une situation difficile, il s'est perdu Super Coupe d'Espagne contre Real de Madrid et il gagne environ 7 points de retard par rapport avec Real. Donc Barcelone qui besoin de points. Barcelone besoin de points et Xavi Claus Hernandez dans une situation très très difficile parce que Xavi gagne gros doute cap couri et bien Xavi capable pas arrêter dans tête équipe FC Barcelone. Donc Xavi n'a joue pas sur là qui dit que il est prêt pour faire toute bagaille net pour FC Barcelone, donc il est prêt pour le faire un pile sacrifice. Est-ce que c'est un message pour le t'avoir les dirigeants pour le dire que il est prêt pour le capable quitter l'équipe là si que yo c'est ça cap bon, donc nous pas connaît. Et bien demain Barcelone qui pourra passer un vraiment un bon test parce que nous connaît équipe Betis Sevilla qui lui même très très en forme ces derniers temps, surtout avec et bien monsieur Isco qui dit que tout rêve c'est pour jouer Euro avec Espagne et monsieur qui a eu une très très bonne saison. Si nous avons retiré Bellingham, c'est un joueur qui a joué plus bien en Espagne. Côté que monsieur a plusieurs reprises, environ 10 fois, il finit homme du match. Donc, demain, c'est pour vraiment un bel match. Si nous avons fait un classement, Séville est quand même en 9e position avec 31 points. Il a gardé la quantité de défaites que Betis fait, c'est seulement 3 défaites. Et l'équipe qui est devant là, qui c'est Las Palmas, il gagne 31 points tout. Et Valence qui 7e, il gagne 32 points. Donc équipe Betis là, il pas trop mal pendant la saison ça contre Barcelone qui lui-même gagne 41 points, il a quand même perdu 2 matchs. Donc c'est pour elle quand même une belle bataille et Xavi capable dit qu'il pas gain droit aller en match football si là donc Xavi, il n'a obligation pour le capable battre dans l'idée pour le rapprocher équipe Real de Madrid blanc avec équipe Girona. Et les deux battent tout pour bien bailler confiance avec dirigeant Barcelone qui finalement presque la guille. Donc demain c'est pour un match dans le match pour le FC Barcelone. Et gagne leader là qui c'est Girona qui retend depuis FM formation FC Séville à partir de 3h. Donc ça encore c'est pour un bel match football. Eh bien, on voit comment classement est juste avant que nous finissions vidéo. En première position, Girona gagne 49 points. Deuxième, Real de Madrid 48 points. Donc, Real gagne 2 matchs, un match en retard par rapport avec Girona. Bilbao gagne 41 points en troisième position. Barcelone gagne 4e place avec 41 points. Et puis, gagne 5e place là, Atlético de Madrid occupé avec 38 points. Real Sociedad 6e avec 35 points. Valence 7e, 32 points. Las Palmas 8e. Betis 9e et puis Getafe 10e avec 26 points. Donc c'est top 10 et championnat d'Espagne pour saison ça. Donc voilà, merci pour fidélité et attention. Merci parce que toujours ensemble avec nous. N'a pas congé de vous, n'a tourné de quelques heures pour une nouvelle vidéo. Ciao.